Bonjour, aujourd'hui je vous propose une courte séance afin d'éveiller l'énergie dans le corps. Pieds écartés de la largeur du bassin. La respiration se fait dans le dantien, le point situé juste sous le nombril. On inspire et on expire dans ce point. Je vous propose de déverrouiller légèrement les genoux afin de laisser circuler l'énergie. Visualisez et ressentez des racines qui s'enfoncent sous vos pieds jusque dans la terre. Vérifiez l'alignement vertical de la colonne et du bassin. Vous pouvez rentrer légèrement le coccyx. Fermez les yeux ou laissez les mi-clos. Trois fois. Inspire. Levez pointe des pieds. Expire. Baissez. Encore deux fois à votre rythme. Même chose trois fois avec les bras qui montent sur les côtés. Inspire, pointe de pied. Expire, baissez. Ressentez l'énergie en vis-à-vis de vos mains dans votre corps. Ramenez l'énergie aux dantiennes, main droite d'abord pour les femmes, main gauche pour les hommes. Tournez trois fois. Main droite devant le front, vous chassez les pensées. Main gauche. Encore. Tapotez avec index et majeur dans la paume de main, le Lao Gong. Même chose à gauche. Puis
puis massez les paumes avec le pouce. Face au sol. Descendez légèrement dans les genoux. Ressentez l'énergie. Vous pouvez ressentir des picotements, de la chaleur, des fourmillements. Fermez les doigts en patte de tigre. Ouvrir main gauche, main droite. Fermez main droite en patte de tigre. Ouvrir main droite. On respire calmement dans le dantien. Inspire, je gonfle le ventre. Expire, je le creuse. Patte de tigre, les deux mains, les deux paumes face à face. Ouvrir et sentir la boule d'énergie qui se forme entre les deux mains. Montez les mains et tournez la boule. Encore. Puis resserrez les mains jusqu'à sentir la contraction de l'énergie entre vos paumes. Jusqu'à sentir l'énergie plus dense. Puis à nouveau, tournez les mains. Revenir. Fermez les mains pattes de tigre en prenant l'énergie dans vos paumes de main et dirigez face au sol. Main gauche, lâchez la boule d'énergie dans le sol. Pareil, main droite. Et relâchez. On va clôturer trois fois en allant chercher l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Les pieds restent au sol cette fois. On expire. Inspire. Expire.
Ces petits exercices répétés quotidiennement vous permettront de ressentir à chaque fois plus facilement l'énergie, notamment dans les paumes de main et sous les pieds. Voilà, donc mon choix est de pratiquer pieds nus dans la forêt. Par affinité personnelle, je vous suggère d'essayer, tout simplement parce que cela nous permet, par rapport à la maison ou une salle de cours avec des chaussures, de ressentir l'énergie vraiment différemment, de se connecter réellement à la terre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles séances.